Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des sous-marins, ces monstres qui se cachent dans les profondeurs sombres et silencieuses des océans du monde. Nous allons essayer de plonger dans les profondeurs de l'invisible et de découvrir les plus redoutables prédateurs de la mer, les sous-marins. Mais attention, il ne s'agit pas de simples sous-marins, non. Nous parlons ici des sous-marins les plus dangereux et les plus incroyables qui existent. La classe Seawolf américaine, reconnue pour son élégance et sa discrétion, jusqu'à la redoutable classe russe Oscar II. Ces sous-marins ont été méticuleusement conçus et fabriqués par des experts chevronnés. Ce sont ces véritables titans aquatiques qui changent la donne, qui servent d'outils de dissuasion qui patrouillent jour et nuit dans nos océans. Alors, préparez-vous, marins, à plonger dans les abysses de ces monstres marins. 10. La classe Seawolf. La classe Seawolf de l'US Navy est l'incarnation même du prédateur marin. Il se cache sous les mers, prêt à frapper avec une force considérable. Silencieux, rapide et incroyablement furtif. Les sous-marins de la classe Seawolf sont des merveilles technologiques conçues dans un but unique. Une guerre sous-marine inégalée. Ces navires peuvent opérer à des profondeurs et des vitesses considérables, transformant les vastes abysses océaniques en un terrain de chasse mortelle. Équipés d'un ensemble de torpilles puissantes et de missiles d'attaque terrestre, les sous-marins de classe Seawolf peuvent anéantir leurs ennemis avant qu'ils ne se rendent compte qu'ils sont en danger. En particulier, la capacité du Seawolf à rester immergé pendant de longues périodes est unique. Alimenté par un réacteur nucléaire, il peut rester sous l'eau pendant une durée indéterminée. La classe Seawolf, silencieuse, mortelle et totalement impitoyable, est une terreur invisible dissimulée dans les profondeurs de l'océan, ce qui sème l'effroi dans le cœur de ses adversaires. 9. La classe Virginia. Les sous-marins de la classe Virginia sont les maîtres du camouflage de l'US Navy, furtifs et imprévisibles. Ces navires peuvent s'adapter à de nombreux scénarios de guerre, ce qui en fait une menace importante pour tout adversaire. Dotée des dernières technologies en matière de furtivité, la classe Virginia peut se faufiler silencieusement dans l'océan, sans être détectée par leur ennemi jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cette classe de sous-marins est conçue pour garder les ennemis dans le flou total, et de frapper au moment où ils s'y attendent le moins. Les sous-marins de la classe Virginia disposent d'un arsenal mortel comprenant des torpilles et des missiles de croisière Tomahawk, prêts à dévaster des cibles en surface ou en mer. Son système de propulsion silencieux, associé à un sonar avancé, lui permet de détecter les ennemis bien avant qu'ils ne puissent s'approcher. Par essence, cette classe de sous-marins est une bombe à retardement. 8. La classe Astute. Furtif, mortel et pratiquement indétectable. Les sous-marins britanniques de la classe Astute de la Royal Navy sont de véritables ninjas des océans. Ces navires sont des prédateurs redoutables, équipés des systèmes sonars les plus récents, capables de détecter les navires ennemis à des distances records. Leur armement mortel comprend des torpilles et des missiles à la pointe de la technologie, et des missiles conçus pour lancer des attaques dévastatrices avec une grande précision. Les réacteurs nucléaires de la classe Astute offrent un avantage exceptionnel. Ils peuvent rester immergés pendant des mois, ce qui permet à ces sous-marins de mener des opérations secrètes et de reconnaissance sans être détectés. Les sous-marins de la classe Astute constituent un atout stratégique majeur pour le Royaume-Uni. Dotés de caractéristiques de furtivité avancées et d'un armement supérieur, ils constituent un excellent moyen de dissuasion. La classe Astute, avec ses prouesses en matière de furtivité et d'attaque, incarne la puissance de la Royal Navy. Silencieuse, mortelle et capable de frapper dans l'ombre, ils sont les véritables prédateurs des profondeurs. 7. Classe Graney. La classe russe Graney représente une innovation majeure dans le domaine de la guerre sous-marine. Dotés d'un armement avancé et de systèmes électroniques de pointe, les sous-marins de la classe Graney sont capables d'infliger des dégâts dévastateurs en restant pratiquement indétectables. La technologie de furtivité acoustique de ces sous-marins les rend parmi les plus silencieux sur l'eau, leur permettant de s'approcher des lignes ennemies sans être détectés. Dotés d'une variété d'armements puissants, dont des missiles de croisière et des torpilles, ces sous-marins peuvent frapper les navires ennemis, d'autres sous-marins et même des cibles terrestres. Les sous-marins de la classe Graney sont les fantômes de la mer, capables de semer le chaos et de disparaître dans les profondeurs, en laissant un champ de destruction considérable. Leur technologie avancée, combinée à leur furtivité et à leur puissance de feu, les place parmi les principales menaces dans l'océan. Grâce à leur capacité, les adversaires sont constamment en état d'alerte. Les sous-marins de la classe Graney incarnent le concept de la menace sous-marine, une menace invisible et puissante.
6. Classe Sierra 2. Furtif, rapide et mortel. Tels sont les traits caractéristiques des sous-marins russes de la classe Sierra 2. Connus pour leur vitesse exceptionnelle et leur discrétion, ces sous-marins sont pratiquement impossibles à détecter. Ils rôdent dans les profondeurs de l'océan comme des requins mortels, armés d'un arsenal mortel de torpilles et de missiles de croisière. Leur coque en titane leur confère un avantage supplémentaire, de plonger plus en profondeur que la plupart des sous-marins. Ce qui leur confère un avantage décisif dans la guerre sous-marine. Les sous-marins de la classe Sierra 2 sont équipés de systèmes électroniques sophistiqués et de technologies de réduction du bruit, ce qui leur permet d'être plus efficaces dans la guerre sous-marine. Cette qualité, associée à leur vitesse supérieure et à leur capacité de profondeur, en fait les prédateurs ultimes de la guerre sous-marine. La seule présence d'un sous-marin de classe Sierra 2 sur le champ de bataille peut donner des frissons à ses adversaires. Furtif, rapide et capable de lancer des attaques surprises mortelles. Les sous-marins de classe Sierra 2 incarnent la puissance et la sophistication de la guerre navale russe moderne. 5. La classe Los Angeles améliorée. Les sous-marins de la classe Los Angeles améliorée sont les chasseurs silencieux de l'US Navy. Équipés des dernières technologies de réduction du bruit et d'une impressionnante panoplie d'armes, ces sous-marins ont acquis une réputation pour leur capacité à traquer et à détruire les navires ennemis avec une précision mortelle. Armés de torpilles, de missiles de croisière Tomahawk et d'une variété d'autres armes, ces sous-marins représentent une menace redoutable pour tout adversaire. Capables d'opérer à grande vitesse et de plonger à des profondeurs importantes, ils peuvent facilement surpasser leurs ennemis en termes de manœuvre et d'armement. Ces chasseurs furtifs sont exceptionnels dans un large éventail de missions, de la lutte anti-sous-marine à la collecte de renseignements, ce qui les rend incroyablement polyvalents. Leurs capacités tactiques accrues, associées à leur armement de pointe, font de la classe Los Angeles améliorée une classe à part entière de la puissance navale américaine. Par conséquent, ils sont les maîtres de la furtivité et de l'effet de surprise. 4. La classe Akula. Les sous-marins de la classe Akula sont les prédateurs furtifs de la Russie. Grâce à leur technologie avancée de résolution du bruit et à leur armement puissant, ces sous-marins se cachent dans les profondeurs de l'océan. Capables de se déplacer à grande vitesse et à de grandes profondeurs, ces sous-marins peuvent s'approcher de leur cible sans être détectés. Ils lancent des attaques destructrices avant de s'éclipser sans être vus. Armés de torpilles et de missiles de croisière, les sous-marins de la classe Akula constituent une menace importante pour les navires de surface et les autres sous-marins. Leur capacité de furtivité et leur armement puissant en font un adversaire redoutable, qui sème la terreur dans le cœur de ses ennemis. Les sous-marins de la classe Akula sont plus qu'une simple arme. Ils sont le symbole de la puissance navale et un exemple des progrès technologiques réalisés par la Russie. Silencieux, insaisissables et mortels. Ils sont les véritables prédateurs de la mer. Dans un monde où la supériorité navale est essentielle, les sous-marins de la classe Akula représentent une force avec laquelle il faut compter. 3. La classe Soryu. Les sous-marins japonais de la classe Soryu sont un cauchemar sous-marin pour tout adversaire. Furtifs et résistants, ces navires peuvent rester immergés pendant de longues périodes grâce à leur système de propulsion autonome. Cette capacité les rend incroyablement difficiles à détecter et leur permet de mener des opérations sans être dérangés. Armés de torpilles et de missiles anti-navires lancés par des sous-marins, les sous-marins de la classe Soryu constituent une menace redoutable pour tout navire ennemi. Leurs systèmes de sonar avancés peuvent détecter et suivre les adversaires à grande distance, ce qui leur confère un avantage tactique significatif dans les combats sous-marins. Malgré leur furtivité et leur arsenal meurtrier, les sous-marins de la classe Soryu ne sont pas seulement des armes de destruction. Ils jouent également un rôle essentiel dans la collecte de renseignements et de la surveillance. Ils fournissent à la marine japonaise des informations précieuses sur les menaces potentielles. Silencieux, mortels et presque invisibles, les sous-marins de la classe Soryu traquent leur proie et frappent avec une force dévastatrice au moment où l'on s'y attend le moins. 2. La classe Ohio. Les sous-marins de la classe Ohio sont les géants silencieux de la marine américaine. Ces navires massifs sont plus que de simples sous-marins. Un dispositif stratégique qui peut lancer une frappe nucléaire de n'importe où dans le monde. Chaque sous-marin transporte un nombre impressionnant de 24 missiles balistiques Trident, chacun armé de plusieurs têtes nucléaires. Un seul sous-marin de la classe Ohio a donc une puissance de feu suffisante pour raser plusieurs villes. La puissance destructrice de ces sous-marins est réellement terrifiante, mais leur caractéristique la plus puissante est leur furtivité. Capables de rester immergés pendant des mois, ils peuvent patrouiller silencieusement les océans du monde sans être détectés, jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'ordre de libérer leur charge mortelle. Par ailleurs, les sous-marins de la classe Ohio représentent une apocalypse silencieuse, se cachant sous les mers sans être vus. Ils incarnent le paradoxe de la dissuasion nucléaire.
une destruction inimaginable utilisée pour maintenir la paix. Leur seule présence suffit à inciter tout adversaire potentiel à réfléchir deux fois avant de s'engager dans un conflit. 1. Les sous-marins russes de la classe Oscar II. Ces sous-marins gigantesques sont capables de transporter une charge massive de missiles de croisière, chacun conçu pour faire des ravages sur les navires de surface ennemie. Les sous-marins de classe Oscar II ne sont pas seulement une incarnation de la puissance et de la destruction. Ils sont le symbole de la puissance stratégique et des prouesses technologiques de la Russie. Avec sa taille impressionnante et son armement redoutable, le sous-marin de classe Oscar II représente une menace importante, capable d'anéantir des flottes entières d'un seul coup. Il navigue silencieusement dans les profondeurs de l'océan, attendant patiemment l'ordre de libérer sa puissance destructrice. Malgré sa taille colossale, le sous-marin de la classe Oscar II est étonnamment silencieux, grâce à sa technologie de réduction du bruit. Il est ainsi incroyablement difficile à détecter, ce qui lui permet de se rapprocher de ses cibles sans se faire remarquer. C'est une machine de guerre colossale, puissante et insaisissable, qui sert comme un rappel sévère des effets destructeurs qui en découlent. Et voilà, nous avons voyagé dans les profondeurs obscures des océans du monde, en dévoilant la puissance des 10 sous-marins les plus dangereux et les plus fous de la planète. De la classe Sea Wolf à la puissance terrifiante de l'Oscar II, ces prédateurs sous-marins nous ont laissés stupéfaits. Ils sont plus que de simples machines. Ce sont des exemples de l'ingéniosité humaine, des symboles de la puissance nationale et des avancées technologiques dans le domaine de la guerre navale. Leur simple présence sous les mers a un effet de dissuasion puissant, qui nous rappelle les enjeux de la guerre moderne. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Pour être averti de la mise en ligne de nouvelles vidéos sur cette chaîne, veuillez partager votre avis sur les 10 sous-marins les plus dangereux de la planète dans la section commentaires ci-dessous. Merci.